Le 10 mai 1940, tout l'Occident s'embrase. À 5h12 ce matin-là, les forces armées du Troisième Reich se ruent sur la Hollande et la Belgique qui font aussitôt appel aux garants de leur neutralité, la France et l'Angleterre. Sur la moitié de sa longueur, la frontière belge est protégée par le canal Albert, doublé d'une redoutable ligne de défense bétonnée, dont le verrou, la charnière et le fort d'Ebenemal aux portes de Liège. Un ouvrage formidable, défendu par 1000 hommes et réputé imprenable. Dès la première minute de la guerre, une nuée d'avions piqués écrase, isole la forteresse et ses abords. En quelques heures, 84 pionniers parachutistes allemands, largués sur les superstructures de l'ouvrage, paralysent ses tourelles à coups d'explosifs, bloquent ses embrasures de tir, ses gaines de ventilation. Des sections d'assaut forcent le passage du canal. Plus au nord, trois ponts sont tombés intacts aux mains des Allemands, brèche par où s'engouffrent leurs blindés. En 24 heures, achevée à la grenade et au lance-flammes, l'invincible forteresse d'Ebenemal est capturée. Ce même jour, à Bruxelles, s'est inexorablement noué le destin de Léon de Grève. Ont participé à cette émission les anciens ministres de Schreiber et Delfos, membres du gouvernement belge à Londres, le professeur Villoquet, historien, Robert Poulet, journaliste et écrivain, l'abbé Firins, aumônier des SS wallons, Robert Francotte, correspondant de guerre auprès des Alliés, le colonel de Lovinfos, le soldat le plus décoré de Belgique, le juge Mello, grand résistant belge, un ancien chef rexiste. À l'aube du 10 mai, Léon de Grelle, chef du rexisme belge, fiché comme suspect, est arrêté dans sa villa de Bruxelles. Dès le début de l'hiver, à l'insu de tout le monde, même du roi, des listes de proscription des patriotes avaient été établies. D'abord des listes de militaires. J'avais été trouver le roi, et le roi indigné m'avait dit, j'y veillerai, ce sera rapporté. Et ce le fut. Mais je ne m'étais jamais imaginé que ces gens allaient monter les mêmes listes contre nous tous. Et notamment contre moi qui étais député de Bruxelles. Les critères, c'était d'abord les critères d'appartenance au rexisme ou à ce qu'on appelait à ce moment-là le VNV, le Vlaams Nationalist Verbond. En mars 40, Janson, ministre de la Justice, vieux bonhomme et haineux, nommé comme auditeur général Janson van der Merch en le chargeant de cette opération. À l'aube du 10 mai 1940, nous nous retrouvions à des milliers dans les prisons. Et on nous a expliqué, en quelques mots, qu'il s'agissait là-bas de mesures de sûreté. On en a arrêté, à tort, certains. C'est fatal dans la pagaille qui sévit quand une guerre commence. Je me souviens d'être intervenu avec une certaine force auprès du ministre de la Justice pour obtenir que soient tout de même relâchés, non seulement certains parlementaires, mais aussi d'autres personnes au sujet desquelles n'avait tout de même pas de motifs suffisants que pour les arrêter. Le roi Léopold III, qui a pris le commandement de l'armée belge, a fait appel aux alliés. Hélas, le généralissime Gamelin tombe dans le piège tendu par les Allemands. Il lance vers la Hollande les meilleures divisions mécanisées françaises et anglaises. Exactement ce qu'espérait Hitler. Sitôt l'armée franco-anglaise profondément aventurée vers le nord, les Allemands qui, eux, ont massé en grand secret le gros de leur Panzerdivision face à la forêt des Ardennes, réputée infranchissable, se ruent à travers le Luxembourg belge vers la trouée de Sedan. Le 13 mai, ils franchissent la Meuse au sud de Dinan. Le même soir, tandis qu'au nord s'effondre la résistance de l'armée hollandaise, les Allemands attaquent Sedan, crèvent le front français. En trois jours, toute la Belgique a pris les routes et les premiers tous les directeurs des grands journaux bellistes. Tous ceux qui poussaient à la guerre se sont enfouis aux premières heures. Et puis panique générale, dans l'imprévision la plus absolue, des millions de personnes se lancent à Vauvert dans toutes les directions, l'anarchie totale.
ce qui veut dire, au point de vue militaire, un appui immense au désastre. Il est impossible de faire évoluer des troupes parmi des millions de gens qui sont en ruine. Par la brèche de Sedan, les Panzerdivisions allemandes se ruent vers la Somme. Les derniers régiments cuirassés français se sacrifient pour tenter de les arrêter. En vain, 10 jours après le début des hostilités, à l'ouest, tout est joué. Le 20 mai, les blindés allemands dépassent Amiens. Dans la nuit, ils atteignent Abbeville, puis la mer, isolant au nord les débris de l'armée belge, mais aussi toute l'armée franco-britannique aventurée vers les Flandres. Le gouvernement alors a voulu obliger Léopold à être pris de la même panique qu'eux et s'enfuir. Si Léopold avait fait ce qu'ont fait les ministres belges, s'enfuir dès le 25 mai, eh bien jamais les Anglais n'auraient pu réembarquer. Et on a chargé ce malheureux Léopold, mais il a permis le salut de l'armée anglaise. En tenant héroïquement 3 jours de plus sur un territoire exigu, encombré 1 million de réfugiés, les Belges couvrent le repli des Franco-Britanniques sur Dunkerque. Le sacrifice des troupes françaises permettra au corps expéditionnaire britannique de rembarquer malgré d'effroyables bombardements. Le 28 mai, l'armée belge a capitulé. Le roi Léopold partage le sort de ses soldats prisonniers. Pendant ce temps-là, le gouvernement belge en pleine panique, la débandade, ce carnaval à Paris au monument du roi Albert Ier, s'humiliant de façon atroce devant l'étranger. Et cet autre carnaval à Limoges, où ils ont tenu une espèce de séance de parlement, de cirque, où ils ont même été à la veille de proclamer la République. Et puis oui, ça s'est coursé perdu vers Poitiers, Bordeaux, Cahors, pour finir à Sauveterre. Ces gens-là qui avaient en Belgique tous les services de transmission, tous les services de la radio, ce gouvernement est resté là, coincé pendant plusieurs semaines sans avoir le moindre contact, ni avec la Belgique, ni avec les réfugiés. Pour eux, c'était fini. Ils avaient de toutes les façons essayé de capituler devant les Allemands. Ils avaient offert l'armistice, ils avaient offert la paix, ils s'étaient rejetés aux pieds du roi. Tout le monde les avait repoussés. On m'a cru longtemps mort, pendant des semaines. Parce que Ganshoff, Van der Merch et consorts avaient commis l'ignominie de livrer leurs compatriotes à l'étranger. On ne pourrait pas les laisser en Belgique, les Allemands. Les auraient libérés tout de suite. Nous avions été livrés à Dunkerque. Là, tout de suite, on avait failli me fusiller. J'avais été maltraité de façon horrible, conduit les yeux bandés à un poteau. On m'avait tiré dessus pour m'effrayer. À Abbeville, un certain nombre de janissaires français étaient assez barbares que pour se saisir de toute l'équipe de pauvres gens qui m'accompagnaient pour les massacrer. 21 personnes. Il y avait là-dedans une vieille grand-mère, il y avait sa fille, sa petite-fille. Il y avait un pauvre petit curé allemand qui portait contre sa joue son œil éjecté, parce qu'à tous on nous coinçait les deux yeux, pas terrible. Il y avait la Joris von Severen, des personnalités plus en vue de Flandre. Ces gens-là ont été massacrés comme des chiens à 21. Quand Guderian et Rommel sont arrivés, on a vu là un tas de cadavres qui noircissaient au soleil, et puis on a cru me reconnaître. On a fait des photos de ce cadavre de grêle. C'était fini. Mon compte était réglé. Il n'y avait plus de grêle. Le 13 juin, les Allemands entrent dans Paris. Le 17, les Panzers franchissent la Loire. Harcelés par l'aviation allemande, empêtrés de millions de réfugiés, les débris de l'armée française refluent en désordre. Traîné de prison en prison, toujours plus au sud, Léon de Grelle subit les pires sévices. Pendant 3 jours, j'étais tabassé de façon inimaginable. On m'a cassé 10 dents, on me faisait boire l'urine des gardiens. Le 10 juin, l'Italie, elle aussi, attaque la France. Le 16, le maréchal Pétain forme un nouveau gouvernement qui sollicite un armistice. Celui-ci sera signé le 22 juin à Rotonde, en forêt de Compiègne.
Hitler a personnellement exigé que les négociations se déroulent dans le wagon où en novembre 1918, les plénipotentiaires allemands ont signé la capitulation de l'Allemagne. Pendant 4 ans, la croix gammée va dominer toute l'Europe continentale. Pierre Day, ancien député rexiste, alerté par Abetz, ambassadeur du Reich en France, part à la recherche de Léon Degrelle. À Vichy, il contacte les autorités françaises, mais aussi les membres du gouvernement belge en exil. Et voilà tous les ministres qui se précipitent sur Pierre Day en lui disant « Essayez de nous remettre d'accord avec Degrelle ». Et j'ai un petit texte très frappant de Janson disant à Pierre Day « Vous devriez partir sur l'heure à la rencontre de Léon Degrelle ». Lui parler en notre faveur, lui dire nos regrets et notre désir, convainquez-le, et vous préparerez la réconciliation de tous les Belges. Degrelle, miraculeusement rescapé du camp d'internement du Vernet dans les Pyrénées, tombe par hasard sur Pierre Day à Carcassonne. Avec lui, il regagne Paris, y déjeune en tête-à-tête avec Otto Abetz, son ami de longue date. Quelques jours plus tard, j'étais en Belgique. Je retrouvais un pays vivre un aplatissement inimaginable. Ces Belges qui, quelques mois plus tôt, étaient des anti-Allemands acharnés, rabiques, aveugles, possédés par des passions vieilles de 30 ans, ces gens-là étaient tous qui couraient, qui se précipitaient au-devant des Allemands pour collaborer. Il ne faut pas oublier, d'abord, un phénomène qui était général, au cours de l'été 40, un sentiment d'écrasement total, d'apocalypse. Les Belges ne savaient absolument pas ce qu'on allait faire d'eux. Van Rooy, ce vieux cardinal qui s'était comporté vis-à-vis de moi comme un véritable anthropophage, celui-là même m'invita chez lui à Malines. Non seulement le gouvernement avait tout fait pour se réconcilier avec Hitler, lui demandant non seulement l'armistice mais la paix, mais annonçant aux Belges le sort qui les attendait. Le plus favorable serait que la Belgique continuât avec une indépendance relative, englobée dans un Zollverein, ayant à la tête un Gauleiter. Le roi était prisonnier et ne pouvait pas faire d'actes politiques. Le gouvernement a connu une période d'atermoiement. Les ministres belges avaient vaguement démissionné ou pas démissionné, on ne le sait pas au juste. Et ils s'étaient comportés d'une façon tellement ridicule et odieuse à tout le monde qu'on préférait ne plus penser à eux. Au moment où pratiquement on avait liquidé l'essentiel des problèmes des centaines de milliers de réfugiés et de contingents militaires en France, le Premier ministre, M. Pierre Long, et le ministre des Affaires étrangères, M. Spaak, ont décidé de gagner l'Angleterre. Hitler les a envoyés dinguer. Et c'est surtout pour une question misérable d'argent. Le 1er août 1940, leur gouvernement français leur a coupé les vivres. Et c'est ça qui a décidé leur passage à Londres. C'était des panicards et c'était des aplatis. Le roi, évidemment, avait une haute dignité. Le roi a quand même toujours été un grand monsieur. Il a toujours cru, lui, que les Allemands gagneraient. Il ne va rien dire puisqu'il est prisonnier. Mais il collabore à la rédaction d'un texte d'Henri Demand, qui était alors le président du Parti Socialiste belge, mais aussi un collaborateur intime de Léopold III. De tout le personnel politique qui avait entouré Léopold III, mais ils avaient tous disparu, il ne restait plus que Demand. Or, Henri Demand publie à ce moment-là un texte, lui. Ne croyez pas qu'il faille résister à l'occupant. Accepter le fait de sa victoire. Cet effondrement d'un monde décrépit, loin d'être un désastre, est une délivrance. Et il ajoute que la paix sortira d'une Europe unifiée par les armes. Et quelles armes si ce n'est les armes d'Hitler? Je ne crois certainement pas que le roi Léopold ait participé à la rédaction du texte en question. Ce qui est très clair, et personne ne le conteste, c'est que Demand a soumis ce texte au roi. Ce texte, Demand le rédigea avec Léopold III. Et cela, c'est indéniable, à tel point
que Léopold III en fit corriger deux passages. Le roi a sans doute approuvé telle ou telle partie, mais il n'est pas sorti de sa neutralité. Pour le roi, nous avions cessé d'avoir des obligations vis-à-vis de qui que ce soit. La guerre était finie pour nous, c'était la formule qu'il faisait répéter par ses interprètes qualifiés. Le roi, je le savais, donnait des avis à tout le monde, on faisait parvenir à tout le monde par son homme lige qui était le comte Capel, qui était son secrétaire mais qui était sa doublure. Beaucoup de gens se réclament du roi à ce moment-là et il est vraiment curieux. Troublant de voir des hommes d'une bonne foi incontestable, venant des deux camps, qui disent « j'ai été trouvé le comte Capel et j'ai obtenu l'approbation totale de sa majesté ». Tout ce que j'ai fait pendant 2 ans de guerre, je ne l'aurais jamais fait si je n'en avais pas reçu, je ne dirais pas l'encouragement, mais je peux dire l'ordre formel. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas bronché. Même mon journal, Le Pays Réel, n'avait pas reparu. À tel point que les Allemands furieux nous avaient confisqué notre stock de papier que nous n'avons jamais vu réapparaître par la suite. Je n'avais pas vu un seul Allemand, je voulais voir personne avant de savoir ce que le roi pensait. J'ai écrit au roi, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le roi m'a fait savoir qu'il m'envoyait son secrétaire, le comte Capel, pour m'expliquer son point de vue et me donner ses orientations. Et j'ai eu une grande entrevue avec lui. Le 21 août 1940, les indications du roi étaient absolument catégoriques. Il fallait faire équipe avec les nationalistes flamands. Ça ne me dérangeait pas. Il fallait faire équipe avec Deban. Il fallait faire équipe avec les Allemands. Et j'avais même posé la question. Et Hitler, parce que j'étais le seul homme politique belge qui connaissait Hitler. Réponse, allez-y, nous le désirons. Et la presse, évidemment, la presse reparaissait le plus tôt possible. Je suis donc sorti de cette entrevue avec un, non pas un blanc-seing, mais un encouragement absolu. Et 8 jours après, les dates sont là, le 28 août, mon journal reparaissait. En septembre, à l'ambassade d'Allemagne à Paris, Otto Abetz organise un dîner entre De Grelle et Henri de Man, chef du parti socialiste belge. Abetz, je voulais rapprocher la masse socialiste de la masse nationale. J'ai accepté. Voilà donc, à la fin d'un dîner, une alliance préparée. Le Rexisme, avec ses centaines de milliers de jeunes qui ont une foi de feu et de fer, qui sont décidés à transformer moralement leur pays, et la masse ouvrière, appui charnel de la nation. À la fin du dîner, Abetz rencontre à Berlin par téléphone. Réapparaît, il me dit, tenez-vous prêt, vous serez appelé chez le Führer d'ici très peu de temps. C'est au retour de son entrevue avec le maréchal Pétain à Montoire qu'Hitler, qui doit repasser en train par la Belgique, a prévu de rencontrer De Grelle. Le rendez-vous, il va avoir lieu à Ivoire le 26 octobre 1940. Hitler devait me recevoir le matin. L'après-midi, il recevait demain. On voyait déjà la hiérarchie. Et le lendemain, il recevait Léopold III pour lui signifier en fait la décision. Un coup de théâtre imprévu force Hitler à tout annuler, à foncer vers Florence pour y rencontrer Mussolini. Ce même 26 octobre, en effet, les Italiens viennent soudain d'envahir la Grèce sans prévenir les Allemands. Hitler arrive trop tard pour empêcher cette bévue. Rapidement, l'offensive italienne tourne au désastre. Contraints de voler au secours de leurs alliés en déroute, les Allemands envahissent à leur tour la Yougoslavie et la Grèce. Les Balkans s'embrasent, au terme d'une guerre éclair, Hitler s'en rendra maître. Les Anglais ont débarqué en Crète. Une audacieuse offensive aéroportée des parachutistes allemands reconquiert la grande île de la mer Égée. En Belgique, il n'est plus question d'aucun rendez-vous avec Hitler.
Léopold acharné, c'est bien la preuve qu'il croyait lui aussi que c'était la solution, voulut relancer l'affaire personnellement. Il envoya sa sœur, Marie-Josée, femme du prince héritier d'Italie, à Berchtesgaden. Elle insista tellement que Hitler ne pouvait pas dire non. Ce fut l'échec absolu. Il est revenu bredouille et nous tombions en Belgique, vraiment au fond du puits. Le pays se laissait aller. Il commençait à grogner parce qu'il n'avait plus assez de pommes de terre. Les gens s'adonnaient tous avec folie au marché noir. Qu'est-ce que comptait encore la petite Belgique à ce moment-là? Et à Londres en face, qu'est-ce qu'il y avait? Une équipe belge misérable. Les Anglais, dans un document diplomatique, le qualifient ce misérable gouvernement belge des épaves. Qui s'accrochait aux Anglais pour ne pas se noyer. Il y a eu alors 90% d'attentistes, 5% de collaborateurs et 5% de résistants. En Belgique occupée, les Allemands favorisent cyniquement les Flamands, font tout pour les dresser contre les Wallons. C'était un jeu, mais diabolique! Si nous avions cédé à ça, mais notre pays était divisé en deux, était broyé! Le seul souci du gouvernement militaire allemand est en fait de tirer un maximum du potentiel industriel belge. S'assurer toute la production et se l'assurer grâce à des autorités belges, non seulement de Bruxelles, mais du gouvernement de Londres. La Belgique est occupée. Elle est entre les mains de l'Allemagne. Elle ne peut vivre directement ou indirectement qu'en travaillant. Et en travaillant, bon, hélas, dans une certaine mesure pour l'Allemagne. On a vu là, le gouvernement, même celui de Londres, pousser de toutes ses forces le grand capitalisme belge à une collaboration totale économiquement, même de guerre, avec ceux qu'ils devaient considérer comme leurs pires ennemis. Début 41, De Grelle réorganise leur exisme désormais fidèlement calqué sur le fascisme. Uniforme noir, manifestation grandiose, jeunesse embrigadée. L'organisation du mouvement marxiste s'est trouvée, à ce moment-là, devant des difficultés causées par le pouvoir occupant. Les Allemands ne voyaient pas du tout les marxistes d'un bon œil, et ils ont d'ailleurs commencé tout de suite à susciter des mouvements d'ordre nouveau qui ne soient pas marxistes, pour contester la représentativité de De Grelle. J'ai encore essayé le 1er janvier 1940, dans un article et à Liège, dans un meeting, de lancer un Heil Hitler pour réveiller Hitler de l'autre côté, pour lui dire, écoutez, tout ce que notre jeunesse rêve de grand, toute cette Europe dont nous rêvons, on est en train ici de l'assassiner. Le 22 juin 1941, c'est le coup de tonnerre de l'invasion de l'Union soviétique. Sur un front de plus de 3000 km, les armées allemandes se ruent à la conquête des immensités russes. Leur avance est fulgurante, les pertes russes sont effroyables. Ce conflit titanesque va fournir à Léon De Grelle cette occasion de s'imposer qu'il guette désespérément. Il est difficile de réaliser l'impact que donna à l'Europe cette invasion de la Russie soviétique. Pour des jeunes gens, comme nous l'étions, rondant de force, rêvant de grandes choses, c'était une épopée. Des centaines de milliers de jeunes gens qui n'étaient pas allemands, dont un certain nombre étaient anti-allemands, sont partis offrir leur vie sur les champs de bataille de la Russie, avant tout pour mettre fin à la tyrannie communiste, et secondement pour donner enfin à l'Europe la possibilité de se réaliser. Tout le monde se mettait en train. Les Français rassemblaient leurs garçons, les Espagnols envoyaient une division entière, les Hollandais déjà partaient, les Danois partaient, les pays de l'Europe centrale partaient, l'Italie partait, 60 000 hommes pour commencer, il y en aurait 200 000. Et puis nous avons été coincés également par les Flamands qui partaient. Eux ont décidé tout de suite de partir. Le jeu diabolique des Allemands continuait. Ils ont voulu nous séparer même à un moment pareil. Ils ont jeté les Flamands prématurément dans les bras de la SS. La SS est une puissance dangereuse, il fallait entrer là qu'en force. Tandis que nous, Wallons,
on nous a envoyé à la Wehrmacht, l'arme parallèle et bientôt opposée. J'ai hésité quelques jours encore à engager la jeunesse de mon pays dans une expédition militaire aussi fabuleuse. Il n'y a pas moyen d'échapper à l'histoire, il faut bien entrer dans la bagarre, mais il s'agit maintenant d'y entrer avec honneur. De Grelle crée alors un corps franc, la Légion Wallonie, qui comptera au départ 1200 volontaires répartis en 5 compagnies. La plupart sont des jeunes. La moitié des jeunes n'étaient pas marxistes, anticommunistes de toute façon. C'est un idéal pour eux. Quant aux autres, aux adultes, il y en avait qui allaient à la Légion parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et cependant, il y avait une bonne moyenne parmi les adultes. Plus de la moitié, je crois, n'est-ce pas, qui étaient vraiment des idéalistes. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, me suis inscrit? Eh bien, j'étais convaincu qu'il n'y avait rien à faire en Belgique tant que la guerre existait. J'aurais pataugé dans des barbotages. Tout ça, c'était des petites affaires où on ne pouvait que s'user. J'étais pour quelque chose, involontairement, dans l'engagement de Léon de Grelle. La Légion venait d'être créée et je disais ce que j'en pensais, des articles pas très enthousiastes. Ce que de Grelle, me rencontrant, m'a reproché. Et je lui ai répondu, quand je ne vais pas moi-même me battre, je n'envoie pas les autres se battre à ma place. Sans pourprendre de colère, il me dit, est-ce pour moi que vous dites une chose pareille? Mais je dis parfaitement, c'est pour vous. Eh bien, dit-il, je m'engage. Et pourquoi je partais comme simple soldat? J'allais là pour gagner des droits. J'ai reçu un télégramme d'Hitler me nommant lieutenant. Immédiatement, j'ai envoyé un télégramme pour refusant cette nomination. Ce que je voulais, c'est commencer par le bas, m'imposer par le bas et arriver en haut à force de sacrifice, à force de combat. Lui, tout. J'ai fait un discours au Palais des Beaux-Arts avant le départ qui était une charte. Les Allemands m'ont demandé le texte du discours que je voulais prononcer. Je l'ai refusé, j'avais communiqué un texte. J'ai là lancé au nez des Allemands notre objectif. Et nous allons là-bas pour notre pays, pour leur présenter avec honneur, pour acquérir des droits pour lui, et nous allons là-bas pour l'Europe. Après un défilé à travers Bruxelles, le départ de la Légion Wallonie a lieu le 8 août 1941. De Grelle laisse la direction du mouvement rexiste en Belgique à ses lieutenants Victor Matthijs et Louis Collard. La Légion Wallonie doit être incorporée à la Wehrmacht. Un problème, celui de l'uniforme. C'était l'uniforme des gens qui nous avaient envahis en 1914 et encore une fois en 1940. Le jour où il a failli s'habiller en fédéraux, un certain nombre de nos officiers qui avaient fait les deux guerres étaient en larmes. Ce fut un conflit de conscience affreux. Alors pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'il n'y avait absolument pas moyen de faire autre chose. Ni nous, ni personne en Europe. Sans ça, nous étions des francs-tireurs. Même les Espagnols, fiers comme ils sont, sont dû arriver en Allemagne, délaisser leurs uniformes de l'armée espagnole et prendre cet uniforme qui, en fait, devenait l'uniforme de l'Europe. Si vous imaginez que les Allemands, ça leur plaisait, les militaires allemands, j'étais absolument scandalisé. Et alors, comment pouvez-vous imaginer que les armées de 28 pays différents auraient pu trimballer des dépôts d'uniformes de 28 armées distinctes? Fin octobre 1941, après 3 semaines d'instruction en Allemagne, la Légion Wallonie est expédiée sur le front d'Ukraine. Léon de Grelle sert comme simple soldat mitrailleur. La Légion est commandée par un ancien major belge, Lucien Lippert. Nous avons franchi le Dnieper au début de novembre, mais à peine de l'autre côté, libre. On pense toujours à la neige, mais la boue, c'est encore plus terrible que la neige. Le sol là-bas est un sol plein de pétrole, huileux, et la boue vous colle aux pieds. Et alors vous avez des bouts d'un mètre de profondeur. Nous devions nous lier avec des cordes les uns aux autres pour sauver celui qui s'engloutissait. À peine avait-on fini avec les bouts, tout d'un coup, paf, mais en 24 heures, le gel est là. Ça commence à 20 degrés, puis c'est 30, puis c'est 40. Et vous aviez partout des crêtes
de bougelets d'un demi-mètre de hauteur qui vous crenaient tous les carrefours. En une semaine, il n'y a plus qu'un camion qui pouvait bouger. Parce qu'il tombait des neiges de 4 et 5 mètres de hauteur. Tous les ponts avaient sauté et on faisait d'abord passer les munitions. Rien n'avait été prévu pour un séjour d'hiver. Et au mois de décembre, nous voilà tous avec nos misérables petits uniformes d'été. Et nous avions en face des troupes russes qui, elles, étaient habituées au climat, qui avaient des vêtements molletonnés. Des centaines de milliers de garçons qui ont eu des doigts de pied. 40 à 42 degrés de glace tout le temps. Le souffle même se gelait à la hauteur des sourcils. Mais les Russes, eux, pouvaient combattre. Ils avaient leurs cosaques. Je vois encore cette furie de ces cosaques. Nous n'avions que 4 mitrailleuses. Nous en avons fauché 504. Il n'y en a pas un qui a passé. Nous n'avions rien à manger. Le ravitaillement n'arrivait plus. Les Russes, ils pouvaient manger des pommes de terre gelées. Nous autres, nous étions des peuples de l'Occident, des peuples décadents, avec des tas d'habitudes. Nous nous sommes retrouvés alors au fond du bassin du Donetsk, dans les charbonnages détruits par les Russes. Tous les chevaux étaient crevés au fond. Il y avait une odeur abominable. Et nous étions dans cette misère des villes russes. Il n'y avait plus un carreau. Tous les gens faisaient leurs excréments dehors. Il y avait là une mer d'excréments tout autour des immeubles. Nous avons continué en plein hiver. Tout d'un coup, le ciel se déchaîne, bouffant des inondations géantes sur la glace. On marchait dans l'eau jusqu'à mi-corps. Puis de coup, waouh, on volait les quatre fers en l'air avec César. On était engloutis dans cette eau glacée. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le plus terrible de nos combats. Nous avions dû au mois de février, dans les 45 degrés de froid, faire une contre-offensive de 5 semaines et nous étions parvenus à regrimper à la ligne de fête des eaux de Dnieper et de Dniester. Il y avait là un petit village qui s'appelait Gromovaya Balka. Il était 6h30 du matin. Tout d'un coup, voilà là, une nuée de chars énormes, 4000 types. Nous autres, notre poignée de pauvres voilons, nous avons fait là-bas un combat atroce. Moi, j'étais simple soldat mitailleur. J'avais été blessé 15 jours plus tôt au pied, et à cette occasion-là, j'avais été nommé caporal. Ayant été blessé au pied, je ne pouvais même pas bouger. J'étais installé avec ma mitrailleuse entre deux chevaux morts. Les chars mettaient nos gens en débandade, puis restaient entre mes deux chevaux morts. Et nous avons 200 morts. Après des heures, est arrivée la contre-offensive allemande. Et le général allemand s'est jeté sur moi, m'a collé sa croix de fer de seconde classe. Nous étions cités à l'ordre du jour de l'armée allemande. 32 de nos soldats étaient dévorés de la croix de fer, ce qui à ce moment-là était un chiffre extraordinaire. Nous étions des vrais soldats. Pour des Allemands, nous étions devenus leurs camarades. Arrive la bataille de Charkov. Deuxième ruée des Russes, crevant le front. De nouveau, nos garçons étaient extraordinaires. À ce moment-là, pouf, moi j'attrape la croix de fer de première classe. Je suis nommé lieutenant pour la valeur. On continue jusqu'au Dnieper. Un mois après, c'était le grand débarrage vers le Caucase. Nous venions de recevoir un nouveau bataillon, tous des garçons de 16 ans. 5 semaines d'offensive, 1130 km de marche et de combat. Et à peine étions-nous engagés dans les montagnes, qu'on n'avançait plus que de traquenard en traquenard. C'était des forêts vierges avec des chaînes centenaires tombées les uns dans les autres. Il fallait avancer avec des haches. Et c'est alors que nous avons eu les combats terribles de Tcherjakov. 7 jours et 7 nuits, le chef de notre jeunesse, John Hagemans, est mort dans ces combats. Ce fut quelque chose d'atroce, corps à corps, jour et nuit, avec des troupes sauvages. Les Russes avaient amené là tout ce qu'ils avaient pu ramasser comme Mongols. Nous avons perdu tellement de monde que nous n'étions plus que 143, partis à 1200, et il y a eu un bataillon entier de renfort. Que j'avais eu une blessure au cœur, l'estomac ouvert et le foie perforé, ça compte quand même. Et j'étais resté là, j'avais pas été à l'hôpital un jour. Nous avions été cités à l'ordre du jour du grand quartier général. Mais nous étions en but à des manœuvres qui étaient proprement scandaleuses. La Gestapo avait monté chez nous un véritable service de mouchardage. On nous avait envoyé comme volontaires
deux flics de Bruxelles qui étaient passés au service de la Gestapo et qui étaient là uniquement pour nous espionner. De Grelle court exiger leur arrestation auprès du général San, commandant sa division. Vous m'avez dit, mon pauvre De Grelle, mais vous ne savez pas ce que c'est que la Gestapo. C'est pas possible que moi j'intervienne. Je lui ai dit, ben je m'en charge. J'avais réuni immédiatement toutes nos troupes, j'avais fait amener baïonnette au canon les deux bons hommes, j'avais raconté tous leurs exploits avec les policiers allemands de Bruxelles, j'avais crié à la troupe, jurez tous que dès que vous le pourrez, ces deux hommes sont deux hommes morts. Je jure! Épouvantés, les mouchards s'enfuient la nuit même, c'est ce qu'espérait De Grelle qui les dénonce à San comme déserteurs. 5 jours après, on les accrochait, je les faisais condamner à 50 forteresses, j'avais gagné cette manche. Et c'est là que se prépare le grand virage SS. Au Caucase, le général Steiner, chef de la SS Viking, a jaugé la valeur des Wallons. Réduits à 187, ceux-ci sont envoyés en congé en Belgique en décembre 42. Au passage à Berlin, De Grelle est reçu par le général Berger, adjoint d'Himmler. Un homme énorme, un éléphant, absolument inculte, qui m'explique ses prétentions sur la Belgique. Mais il avait surtout autour de lui une équipe qui m'a effrayé. Ces types étaient en train de préparer l'annexion. Je me suis dit, mais est-ce que nous ne sommes pas battus pour rien? Est-ce que notre pays va pas être exterminé? Je me suis dit à ce moment-là, il faut quand même se remuer. J'organise un grand meeting au Palais des Sports. J'ai là proclamé, et beaucoup de mes compatriotes n'ont jamais compris, la germanité des Wallons. C'était une tactique. Les Flamands avaient dit, il y a en Belgique le peuple flamand qui est germanique et le peuple wallon qui ne l'est pas. Et je voulais leur donner la preuve que nous étions des Germains autant qu'eux. C'était une astuce qui avait peut-être un certain effet sur les dirigeants allemands ou certains dirigeants allemands parce que c'était des niais. Jamais personne n'a cru à la germanité des Wallons, sauf peut-être Himmler. Mais sur la population belge, ça faisait un effet déplorable. Nous nous sommes employés à démontrer le caractère germanique des Wallons. Sur le plan historique ou ethnique, si vous voulez, ce n'est pas une absurdité totale. Nous avons démontré qu'il y avait dans le wallon liégeois de nombreux vocables d'origine germanique, qu'il y avait des structures germaniques dans la langue. Nous sommes allés dans un village luxembourg-belge mesurer les têtes des paysans et nous avons établi que dès lors, nous étions sans discussion des Germains. Je ne voulais plus cette petite Belgique croupion qui réunissait comme maintenant les Belges et les Flamands, mais la Belgique retrouvant son épanouissement des grands siècles de la Renaissance. Il a cru trouver un moyen de faire équilibre à l'influence qu'exerçaient les Flamands, ou les Flamands extrémistes, sur les dirigeants hitlériens. Je voulais une Europe où nous étions comme au front, égaux, et où nous étions l'Europe des patries. Et ces patries, avec le temps, et peut-être avec les siècles, se fédéreraient de plus en plus. Alors j'explique ça à Bruxelles, puis je dis, j'irai l'expliquer à Berlin. Et d'ailleurs, le général Berger m'avait invité à y repasser. J'organise à Berlin un meeting au Sportpalast. Je convoque tous les ouvriers belges et français avec nos soldats en uniforme. Entre-temps, 10 jours de conversation avec Berger. Nous n'étions d'accord sur rien. Chacune de ces propositions, je les repoussais. Le soir arrive de mon grand meeting. C'était le soir de la capitulation de Stalingrad. Foulement, c'était grand. Et le succès a été triomphal. Le lendemain matin, pas une ligne sur mon meeting. Je prends mon téléphone, j'appelle le général Berger, je lui dis, mon général, s'il n'est pas paru une ligne dans la presse allemande, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est qu'il y a eu un ordre. Et que signifie cet ordre? Et l'autre me répond avec son culot, de gros type sûr de lui-même, nous avons voulu vous montrer que nous étions les plus forts. Je dis, mon général, si c'est ainsi, toutes nos conversations sont rompues, au revoir. Je m'en vais passer 3 semaines à la Côte d'Azur, à m'aérer avec mes enfants, puis je retrouve mes soldats à leur canton. J'étais déjà devenu à ce moment-là un régiment. Et pendant 2 mois, je ne bouge pas, je fais le mort. Les Allemands cèdent.
je reçois un télégramme très aimable d'Himmler, m'invitant au grand quartier général et m'envoyant son train spécial. Himmler m'attendait à l'arrivée au grand quartier général. Il me prend dans ses bras, il dit « Oh, mais une livre de grêle, tout est oublié. Vous entrez au Waffen-SS. » Pas du tout, nous n'entrons pas au Waffen-SS. D'où est-ce que vous avez sorti cette histoire? J'ai eu 10 jours de conversation avec le général Gagin. Oui, il est là. Demandez-le lui, nous avons... ça a complètement raté. Nous nous sommes brouillés. Donc nous n'entrons pas à la ISS. Il faut qu'on discute une histoire pareille. Depuis le Caucase, la Légion Wallonie est incorporée aux troupes de montagne. De Grelle convainc Himmler de venir l'inspecter avec son état-major et Martin Bormann. Il y avait notamment Bormann, qui n'était pas du tout l'homme important qu'on a présenté aux foules après la guerre. C'était le brave type qui achetait les fixes chaussettes d'Hitler. Et à 6h du soir, nous montions dans son train. Himmler, de qui dépendait notre sort, était pour moi au fond un inconnu. Et un inconnu redoutable. Les Waffen-SS, à ne pas confondre avec des SS de camp de concentration. Ces Waffen-SS étaient en train de prendre des proportions gigantesques et à se convertir en un véritable moteur de l'Allemagne nouvelle. Il a cru malin d'adhérer à la SS, croyant que c'était un organisme plus européen que la Wehrmacht et qu'il pouvait par conséquent de cette façon-là jouer un rôle et défendre les intérêts de son pays. Un très grand nombre de légionnaires étaient opposés à ce passage à la SS. Pour deux motifs, il devenait une formation politique, et alors pour les chrétiens, ça n'était pas du tout dans la ligne de leurs opinions. Il fallait prêter un serment. Il y avait des officiers qui s'y opposaient. Nous représentions notre peuple. Et là, je savais que j'étais dans la ligne exacte de la formule hitlérienne. La base de tout, c'était le peuple. Plus tard, quand j'aurai gagné, Hitler me nommera Volksführer, c'est-à-dire chef de peuple. Alors j'ai dit à Himmler, il n'est pas possible d'envisager un travail en équipe si nous n'avons pas notre commandement à nous. Deuxièmement, notre langue à nous. Parce que la langue, c'est un élément de défense de notre peuple. Nous sommes des Germains de langue française, il n'est pas possible de transiger là-dessus. Je n'ai jamais admis d'Allemand à un poste de commandement, même modeste. Nous n'avons jamais eu de collaborateurs allemands qu'à des postes techniques. Et tous les Allemands qui ont été chez nous, toujours, ont dû me parler en français et m'appeler chef. J'avais déjà obtenu ça. Nous aurions un commandement à nous, nous gardions notre chef, nous gardions notre langue. Et nos drapeaux, un drapeau repris du fond de notre histoire, le grand drapeau aux croix de Bourgogne, croix de Saint-André, drapeau de Bourgogne qui nous ont suivis pendant 10 siècles, pour nous c'était sacré. Ça aussi je l'ai obtenu. Et puis aussi nous gardons notre curé. Alors ça c'était un choc. Un curé catholique à la SS, ça s'était jamais imaginé. Je lui ai écouté la chure. Nous avons eu avec nous des prêtres magnifiques. Alors vous, soldats, vous voudriez que maintenant nous foutions à la porte des compagnons de combat. Et ça, c'était le coup décisif. J'avais fait entrer mes curés. Des prêtres à qui j'ai jamais demandé d'être rexis, je leur disais, rexis, je ne vais pas de curé rexis, je vais des saints. Méfiant, De Grelle, la nuit même, fait rédiger un protocole d'accord, le soumet à l'aube à la signature d'Himmler. Et l'autre en grognant, pouf, il fiche sa petite écriture en pâte de mouche, un Himmler, moi je flanque deux grands Léon de Grelle, j'avais ma charte. Mon régiment se transformait en une brigade d'assaut blindée pour une grande unité de choc. J'avais obtenu aussi que notre commandeur, capitaine Lippert, qui est un héros splendide, mais qui n'était que capitaine, soit nommé Sturmbannführer. Arrivé au camp de Pisk, De Grelle présente à Himmler la nouvelle brigade SS Wallonie. Himmler a voulu que lui fussent présentés tous les officiers de la Légion. Au moment où il atteignait un brave major, je crie du voix de stentor, l'aumônier catholique de la Sturmbrigade SS Wallonie. Himmler s'est mis en garde à vous devant moi, il a levé le bras, donné la main, et curé. Et au même instant, cap, deux éclairs de photographe. Himmler
sur ton interloqué, il me dit, mais il y a livre de grêle. Pourquoi ces photographies? Je lui ai répondu tac au tac, mais pour l'Osservatore Romano, reste sur... De Grêle va plus loin, il réussit à faire partager ses vues politiques à Himmler. Je lui avais expliqué mon grand plan de l'Occident. Himmler s'y était rallié. Il reconnaissait qu'après la guerre serait créé un grand État dit de Bourgogne, qu'il disposerait de son armée à lui, de ses finances à lui, de sa diplomatie à lui, que j'en serais le premier chancelier. Début septembre 1942, le général von Paulus et sa 6e armée ont atteint Stalingrad sur la Volga et conquis la ville aux deux tiers. Mais les Russes livrent d'effroyables combats de rue et tiennent jusqu'aux premières neiges. Ils lancent alors une double offensive en tenaille. Le 23 novembre, ils font leur jonction dans le dos des Allemands, isolant von Paulus et 300 000 hommes. La Luftwaffe tente en vain d'établir un pont aérien. Hitler lance une formidable contre-offensive pour libérer les assiégés. Tout échoue. Le 2 février 1943, von Paulus et la 6e armée capitulent. L'armée allemande a subi son premier désastre. 300 000 Allemands sur 7 millions engloutis dans Stalingrad, c'était pas un désastre, c'était un accident important, mais un accident. À Kursk, en juillet 1943, ce fut l'affrontement décisif. 4000 chars d'un côté, 4000 chars. Opération perdue à l'avance, Hitler fut trahi de manière incroyable. Tous ses commandements étaient automatiquement transmis au commandement soviétique, que les Allemands partout tombaient dans un piège. Cette bataille, en une semaine, se convertit en un anéantissement des troupes blindées du Troisième Reich. En une retraite pleine d'erreurs, le Dnieper lui-même fut franchi, Kiev fut pris. Et par Kiev, les Russes ont pu entreprendre une énorme manœuvre d'encerclement vers le sud. Et repartant quelques mois plus tard pour le front de l'Est, notre fin s'avançait dans un véritable boyau. Les Russes étaient déjà à droite, ils étaient déjà à gauche. Nous voilà engagés au bord d'un fleuve, l'Oshlanska, affluent du Dnieper. Avec un secteur de 20 km, avec des vides énormes par lesquelles s'infiltraient les Russes. Nous avons fait des attaques désespérées comme celle de Teklino. Nous avons perdu beaucoup de monde. Nous avons repris une forêt où il y avait 700 fortifications russes. Avec ce spectacle des prisonniers qui étaient cloués vivants aux arbres. Avec les femmes qui se jetaient sur vous par centaines. De magnifiques jeunes filles russes qui étaient soldats. Sale histoire de faucher des belles filles qui viennent à l'assaut. Mais de tous les côtés, il y avait toujours plus, c'était toujours plus fort. Et le 28 janvier 1944, ça y était, nous étions pris dans la nasse comme à Stalingrad. Pendant 23 jours, nous allions vivre dans cette nasse qui se resserrait de plus en plus. On mangeait de la neige, rien d'autre. On était accablés dans tous les sens des attaques sans cesse des chars qui vous dévalaient de tous les côtés. Et au moment le plus affreux, des pluies torrentielles au mois de février. Tout le ciel qui nous dégringole sur la terre. Avec 15 000 camions et canons qui n'avaient même plus moyen de pousser, matraqués par l'aviation soviétique. Tout ce matériel d'ailleurs a été perdu, broyé, on s'est donné un mal immense pour le sauver. En vain, j'ai eu moi personnellement 17 corps à corps. J'ai été blessé 4 fois. Notre commandeur Lucien Luppert était mort au corps à corps. Je me suis proclamé commandeur. J'ai dit le commandeur maintenant c'est moi. Et tout le monde a encaissé l'histoire. Cerné dans la poche de Tcherkassy, les Allemands vont tenter une manœuvre désespérée pour rompre l'encerclement. Le général Gill, le chef de la Viking, a demandé un volontaire pour commander la rupture. J'ai dit tout de suite, moi je suis volontaire. J'ai dû maintenir toutes les troupes wallonnes en arrière-garde pendant toute la nuit où se massaient les troupes qui allaient foncer vers la libération. Tout cela sous une dégelée inouïe d'obus soviétiques. Et c'est seulement à 5h30 du matin, quand tout était prêt, que j'ai fait redéployer mes troupes
de l'arrière vers l'avant et que nous nous sommes lancés vers la délivrance. On nous avait dit, les troupes qui viennent à votre secours sont à 5 km, et c'était à 17 km. 17 km d'un corps à corps effroyable. 8000 de nos garçons sont morts, mais 54000, à la fin de la soirée, avaient rompu le front soviétique. Hitler envoie son avion personnel à Guy et De Grelle et les fait amener à son quartier général. Himmler les traite en héros, Hitler leur remet la plus haute décoration du Reich. Et je vois encore le brave Hitler me prendre dans ses bras et me passer au cou le collier de la Ritter Creuse et puis me dire, en me serrant les deux mains, vous m'avez donné tant de soucis. Évidemment, parlant d'Hitler, je devrais dire, pour plaire à peu près tout le monde, c'est un maboule, c'est un drogué, il était bourré de pilules, il était grottant, il était incapable de rien. Allons, pas de blague, moi je dis ce que j'ai vu. Hitler, c'était le génie foudroyant, c'était le plus grand homme de notre siècle. C'était l'homme affectueux, sans complications. Quand il a vu mes bottes, il me dit, écoutez, Léon, il me dit, combien vous avez de pointures? 32. Ah ben moi, j'ai 43, puis il s'en va à son armoire, il prend une paire de ses bottes, il fourre dedans à chaque pointe un morceau du bol qui sort Burbacter, j'essaye ses bottes, c'est comme ça que ça se passait. C'était l'homme qui me tartinait des sandwichs avant que je m'en aille. C'était l'homme qui, au moment où j'allais partir, m'apportait une bouteille de champagne, lui qui ne supportait pas la boisson. J'ai passé une nuit extraordinaire avec Hitler. C'est cette nuit-là que le grand destin de l'Europe a été assuré. Je suis convaincu de ça. Quand on voit le poids que De Grelle avait acquis en Allemagne, je suis persuadé qu'il aurait réussi à s'imposer comme interlocuteur. Quand Hitler a dit, si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme vous, c'est parce qu'il avait compris qu'au-delà de ses forces qui s'épuisaient, j'étais là, le jeune lion rugissant. Vous ne voyez pas bien pourquoi il n'aurait pas été, lui, Léon De Grelle, grand chef de l'Occident. J'étais au sommet de ma puissance. J'avais 35 ans. Hitler avait décidé que je continuerais son œuvre. De Grelle est reçu en triomphateur à Berlin, puis à Paris, où au palais de Chaillot, il tient un grand meeting politique devant tout le gratin de la collaboration en France. À Berlin, les soldats wallons sont les hôtes privilégiés de Goebbels, ministre de la propagande. L'apothéose sera en avril 1944 le retour de la SS Wallonie en Belgique. Sepp Dietrich, grand chef des Waffen-SS, s'est personnellement dérangé à Charleroi pour présider une prise d'armes aux côtés de De Grelle, promu commandant. Le lendemain, la brigade SS Wallonie défile au cœur de Bruxelles, devant son chef qui a hissé ses enfants sur son char de combat, et devant 100 000 sympathisants qui l'ovationnent et le couvrent de fleurs. Triomphe éphémère, 5 mois plus tard, les chars américains suivront non moins triomphalement le même parcours. Mais on n'en est pas là. Le soir du défilé à Bruxelles, Léon De Grelle au Palais des Sports prononce un grand discours politique. Devant le gouvernement militaire allemand en Belgique, jadis si hostile et désormais à sa botte, il réaffirme sa foi en une Europe hitlérienne où la Grande Bourgogne serait la pièce maîtresse de l'Occident latin. En mai 1944, la SS Wallonie, que 800 nouveaux volontaires ont porté à 3000 hommes, se reforme à Debica en Pologne. Mais il y avait à peine 10 minutes que j'étais arrivé. Qu'un bruit fantastique nous jette au sol. Une fusée gigantesque qui élevait dans le ciel. C'était les armes spéciales. La preuve était là que ce que Hitler disait, c'était vrai. Ces armes spéciales existaient. Comment n'aurions-nous pas eu la foi, la certitude que des moyens nouveaux exceptionnels allaient être à notre disposition? Petit à petit, le mouvement rexiste en Belgique est devenu une citadelle assiégée. Tous les rexistes étaient chaque jour menacés dans leur vie. Le fait d'être rexiste constituait un danger permanent d'être abattu. La justice belge se tairait, se cachait, elle évitait de prendre des décisions parce qu'on aurait pu le lui reprocher. Victor Matthijs, chef de Rex en Belgique par intérim, organise alors un service spécial de sécurité.
malheureusement, au sein de cette organisation, se sont développées des bandes de véritables gangsters qui ont procédé à des sévices contre les Belges. Ces gens vivaient en dehors du mouvement. Ils servaient la police allemande et ils étaient protégés par la police allemande. Les attentats se multiplient, plus de 1000 en 3 ans. La famille de De Grelle n'est pas épargnée. À Bouillon, le 26 juin 1944, son frère Édouard est abattu en plein jour devant ses fillettes par 2 résistants. Hitler, personnellement, exige qu'on fusille 30 otages. Ma mère me supplie d'intervenir, la grâce de 10 arrive. Ma mère m'oblige à faire envoyer un message à Hitler pour obtenir la grâce des 20 autres. J'obtiens la grâce des 20 autres. En août 1944, à Courcelles, le bourgmestre rexiste Englebin est, comme son prédécesseur, abattu avec sa femme et son fils. En représailles, 20 notables, dont le curé Harmony, sont arrêtés par des rexistes, enfermés dans cette cave, puis fusillés publiquement sur les lieux mêmes de l'attentat. La commission des crimes de guerre absoudra De Grelle de toute participation à ce crime. Il a rejoint en Pologne la SS Wallonie, dont l'arrivée de 800 nouveaux volontaires a porté l'effectif à 3000 hommes. Mais le 6 juin précédent, les Alliés ont débarqué en Normandie. À l'ouest, les Allemands retraitent partout. À l'est, le 26 juin, 400 divisions russes s'ébranlent, enfoncent le front allemand de la Roumanie à la Finlande. L'armée rouge pénètre en Pologne jusqu'à la Vistule, elle fonce à travers les pays baltes. La SS Wallonie est jetée en pleine débâcle pour renforcer l'armée Steiner sur le front de Narva. Steiner charge De Grelle de contenir la poussée russe pour couvrir la retraite allemande. Et au moment où tout paraissait perdu, où la grande capitale intellectuelle de l'Estonie d'Orpat allait succomber, j'ai eu la chance de me trouver à l'endroit décisif, de rassembler toutes les troupes qui étaient en fuite, de faire barrage aux soviétiques et de les vaincre. J'avais une deuxième fois sauvé le front allemand. Hitler suivait minute par minute le combat. Et quand il a vu qu'après un certain nombre d'heures, j'avais enfoncé tout le bazar, il s'est flanqué un grand coup de main sur la cuisse et il m'a envoyé immédiatement un câble me donnant les feuilles de chêne. Hitler m'a envoyé son avion spécial. Le lendemain, j'étais chez lui et j'allais passer là 8 jours vraiment inoubliables. J'avais eu plus de 50 corps à corps. Ils me donnaient la grande plaque du corps à corps en or. Il n'y en a eu que 11 pendant la guerre. J'avais été blessé 7 fois. Ils me donnaient la médaille en or des blessés. Cet homme était vraiment devenu l'homme de l'Europe. Nous ne voulions pas d'une Europe allemande. Nous voulions que tous nous soyons égaux, ayant des droits identiques. Et cela, je l'ai obtenu chez Hitler. Et pendant cette semaine-là, tout ça s'est réglé de façon éclatante. Et non seulement nous, je me suis acharné à défendre le peuple russe. Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'Europe sans eux. L'arme, sur quoi allait s'appuyer l'avenir, c'était les Waffen-SS, la grande force militaire et la grande force européenne. La Waffen-SS n'était plus allemande. Nous, non-allemands, nous étions 60% de la SS. Et moi, De Grelle, j'étais parmi tous les chefs de la SS, celui qui était vraiment le fils privilégié du Führer. Quand je pensais qu'en 43, en novembre 43, le gouvernement militaire de Bruxelles avait encore demandé que je sois envoyé en conseil de guerre, contrairement à tout ce qu'on a raconté, Hitler était en pleine forme. On l'a présenté comme un être tout à fait décatif. Tout ça est grotesque. Mais cet homme était en pleine santé, travaillait jusqu'à 7 heures du matin. Je me vois encore un matin. Moi, je m'en allais à la messe, communier. Je tombe sur lui. Il me dit, mais Léon, où allez-vous? Je dis, moi, je vais communier. Et il m'avait répondu tout simplement, eh bien, si ma mère vivait encore, elle irait avec vous. À Noël 1944, c'est l'offensive des Ardennes, l'ultime sursaut des Allemands à l'ouest.
Alors, à Vienne, De Grelle rejoint l'armée von Rundstedt avec la SS Wallonie, devenue 28e division SS. Hitler l'a nommé Volksführer. Mon rôle dans les campagnes des Ardennes, c'est un rôle uniquement politique. À peine était-je dans les Ardennes que je faisais jeter par la Luftwaffe des milliers de tracts de propagande. Où j'accordais, comme Volksführer, reconnu par Hitler, comme responsable unique, par décret qu'il me signifia, par écrit, par l'intermédiaire du maréchal Model, me donnant tout pouvoir, politique, civil, militaire, dans les régions conquises, je reconnaissais à tous nos adversaires des droits identiques à mes soldats. Mais l'offensive von Rundstedt s'effondre. Talonnant son armée en pleine déroute, les alliés pénètrent en Allemagne, atteignent Cologne, franchissent le Rhin. Écrasés sous les bombes, les villes allemandes ne sont plus que ruines où s'entassent par centaines de milliers les prisonniers. À l'est, l'armée rouge submerge la Prusse orientale, envoyée en Poméranie, toujours avec l'armée Steiner, la division Wallonie livre d'épuisants combats de retardement, gênés par des hordes de fuyards. Alors ce furent les derniers mois de l'agonie. Nous luttions avec 90 grammes de pain par jour, sans une seconde de répit. Nos garçons mouraient par milliers, ils n'avaient même plus de munitions pour se défendre. Nous savions que chaque kilomètre que nous conservions, c'était ça qui faisait le barrage contre l'envahissement de nos patries. La résistance héroïque de l'armée allemande, 1000 jours de Stalingrad à Berlin, avaient fait le barrage que les Russes n'ont pas franchi. À l'angoisse des derniers combats s'ajoutait pour moi l'angoisse du sort qui attendait tous mes camarades. Je les ai réunis un mois avant la fin et je leur ai dit, nous avons perdu la guerre. Il faut continuer. Plus nous luttons, moins les Russes avanceront. Ceux qui ne sont plus d'avis qu'il faut risquer leur vie, ils sont libres. Et j'ai rendu la liberté à une centaine qui en avait assez. Mais les autres, comment les sauver? Le 20 avril, j'ai couru à Berlin pour ramasser un stock de papiers d'ouvriers étrangers pour qu'ils se camouflent à la dernière minute. Et j'ai 3700 de mes garçons qui se sont sauvés ainsi. Et puis, j'avais encore 2 millions à moi. Je les ai donnés jusqu'au dernier centime à mes soldats. Et le 25 avril encore, nous étions à Stettin. Mais au sud, l'armée rouge déjà est à Berlin. La capitale vit ses dernières heures. Rue par rue, maison par maison, les Russes progressent inexorablement sous un déluge de fer et de feu. Le 30 avril, c'est la fin, le suicide d'Hitler. Le 2 mai, sur ordre d'Himmler, De Grelle gagne Copenhague. Mais le 5, les Anglais sont là. De justesse, De Grelle s'échappe à bord d'un dragueur, atteint Oslo. Le 8, c'est la capitulation générale de l'Allemagne. Le gouverneur allemand de Norvège offre à De Grelle le Henkel du ministre Speer. Vers minuit, sans carte, l'avion décolle avec de l'essence pour 2100 km. Il y en a 2300 jusqu'à l'Espagne. L'appareil pique d'abord vers l'Écosse. C'était notre première idée, arriver de l'Angleterre vers l'Europe, en laissant croire que c'était un avion anglais. Mais nous avons été dépistés tout de suite. Et la radio crépitait, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Toutes les artilleries nous tiraient dessus. La chasse nous traquait. Le Henkel oblique vers la Belgique. Au ras des toits, il survole Bruxelles et Paris en liesse, traverse toute la France. À l'aube, les moteurs roquettent. Les jauges sont à zéro, mais soudain, c'est le miracle. Sous les ailes, la Gironde, puis la Bidassoa. Nous avons rasé avec nos dernières gouttes d'essence les grands toits, c'était Saint-Sébastien. Nous avons plongé, tout d'un coup, un rocher énorme. L'avion est filé sur le sable, une explosion de moteur, l'avion se précipite dans la mer. Nous étions sauvés, tous en morceaux. C'est ici, à ce vieil hôpital militaire, là, l'hôpital militaire Mola, qu'une ambulance allait m'amener une demi-heure après ma chute. De Grelle a 5 fractures, il restera plâtré 15 mois. Intransportable, il évite ainsi d'être livré aux alliés avec Laval, car la Belgique l'a condamné à mort par contumace. Au début de l'offensive des Ardennes, un tribunal improvisé avait en un quart d'heure décidé de mon sort, sans qu'il y ait eu de citation, sans qu'il y ait eu d'avocat, sans qu'il y ait eu de témoin.
une vengeance impitoyable s'abattait sur mon malheureux père, sur ma malheureuse mère, qui périrait dans des cachots. Un de mes beaux-frères qui périrait également, c'était toutes mes sœurs qui allaient y passer des années. Dès le premier jour, j'ai dit, je reviens quand on veut. Je ne demande qu'une chose, m'expliquer démocratiquement devant une vraie justice. Mais ça, on ne l'a jamais voulu. On voulait ma peau, on voulait m'abattre, mais on voulait quoi, me tuer muet. En 1946, Robert Francotte, correspondant de guerre belge chez les Alliés, rencontre De Grey. Il offre de se rendre à trois conditions assez extraordinaires. La première condition, c'est la libération de tous ses camarades de combat, comme de simples combattants prisonniers qui doivent être libérés comme les autres prisonniers. Seconde condition, jugement en cour d'assises devant la radio et devant des assistants alliés. Troisième condition, la plus extraordinaire peut-être, il veut comparaître devant ses juges dans l'uniforme et avec les décorations qu'il a gagnées au front de l'Est. Ce qui surtout m'avait indigné alors, c'était cette accusation odieuse de crime de guerre. Dans la tuerie de Courcelles, il a certainement donné des ordres. Tout cela n'avait ni queue ni tête. La commission des crimes de guerre a été partout. J'avais été un soldat. Jamais je n'avais été mêlé à un crime de guerre, quel qu'il fût. Je n'étais pas un criminel de guerre au sens de Nuremberg. Le reproche que l'on doit toujours pouvoir faire à De Grey est celui d'avoir pactisé avec l'ennemi. Il a trahi son pays. Ceux qui sont allés combattre en Russie pendant la guerre prenaient fait et cause pour les ennemis de la Belgique. Pour me saisir, on inventait ces accusations abominables des crimes de guerre. Et c'est pour ça que, pouvant me sauver, je ne me suis pas sauvé. J'avais 40 hommes de garde, mais c'était des soldats espagnols. Que la nuit, tous dormaient. À tel point qu'une nuit, j'ai été prendre les fusils de tout le monde et qu'une autre nuit, je suis sorti. Quand vraiment il n'y a plus été possible de résister aux pressions alliées, alors le gouvernement espagnol a concédé qu'on m'expulsait. L'expulsion a eu lieu, mais c'est un autre qui était conduit jusqu'à la frontière portugaise. Pendant ce temps-là, dans la voiture du comte de Mayaldé, je filais vers le refuge où j'allais être abrité pendant des années. J'allais passer de refuge en refuge. Ceux qui voulaient ma peau allaient me traquer pendant des dizaines d'années. Un héros de guerre belge, le colonel de Lovinfos, organise le rapt de De Grey avec la complicité d'agents secrets français et espagnols. De Grey va être transféré à la forteresse de Pampelune. On va se tromper de route à un moment, il y a une bifurcation. Au lieu d'aller sur Pampelune, il ira à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tout est prêt, Lovinfos arrache l'accord du premier ministre belge Van Acker. Et alors il m'a écrit un ordre de mission sur le papier du ministère. Et c'est manuscrit signé Van Acker. Mais le transfert de De Grey est retardé. Lovinfos rentre bredouille en Belgique. Quand le rapt est à nouveau possible, le colonel est stoppé net par le secrétaire de Paul-Henri Spaak, ministre belge des Affaires étrangères. Je lui dis, monsieur Spaak a dit que vous n'aviez pas à vous occuper de cette affaire-là. Chaque fois, Spaak se précipitait pour empêcher qu'on me livrât. On a dit que monsieur Spaak aurait été ennuyé de certaines révélations que Léon De Grey aurait pu faire sur lui ou sur d'autres. Ce n'était pas du tout, je pense, la vraie raison. Je suis désolé pour monsieur De Grey, mais ces révélations, c'était le secret de Polichinelle. Il n'aurait rien pu dire de plus que ce qu'il n'a dit dans ses livres. Para, héros de la résistance, le juge Mello en 58 monte un raid contre la Carline, refuge andalou de De Grey. Nous avons pu, par des complicités espagnoles, prendre un plan des lieux et savoir les habitudes de la maison. Nous avions la complicité d'un aviateur et nous pouvions, sans trop de risques matériels, enlever De Grey. À l'aérodrome de Séville, malgré la présence de 6 avions militaires, nous savions que notre avion pourrait décoller. Avant de mettre en action notre projet, j'ai été trouvé les autorités belges de l'ambassade de Belgique à Madrid pour leur dire tout simplement ce que nous allions faire. Ce que le ministre Spaak a dit de l'attitude de l'Espagne était faux. Le gouvernement de Franco n'était pas
du tout opposé, était même tout disposé à rendre de Grêle. J'ai été assez étonné qu'on m'explique que le gouvernement belge n'était pas désireux de voir revenir Léon de Grêle. Si on avait pu l'obtenir dès le lendemain de la libération, là, il n'y aurait pas eu de problème, il était fusillé. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, on ne fusille plus personne. Dans ce contexte-là, il est certain que l'extradition de De Grêle aurait été gênante. Une autre tentative menée par des agents israéliens échouera de justesse. Comme disaient mes vieux soldats, chance De Grêle, chance éternelle. J'allais en sortir, je suis là toujours vivant. Mais les Belges refuseront à De Grêle, déchu de sa nationalité, la prescription de sa peine. Et on les a vus à bout de ressources, quand au bout de 20 ans arrivait la prescription, inventer cet artifice judiciaire inimaginable qui s'est appelé la Lex De Greliana. Cette loi prolonge de 10 ans le délai de prescription de la condamnation de De Grêle. La prolongation du délai a été soumise au Parlement belge. La loi peut changer pour un individu. Et quand au bout de 10 ans, il n'y avait plus rien à faire, je pouvais revenir. Alors il y a eu cette fois-là un décret ministériel me déclarant étranger indésirable. Moi, je suis pour passer l'éponge, du moment que c'est pas un assassin. Je crois qu'on doit lui donner une chance et ça ne doit pas le poursuivre toute sa vie. J'ai commis parfois une énorme erreur. Et en fait, qu'est-ce une erreur en politique? Et quand je récapitule, je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas réussi, que nous n'ayons pas pu créer ce monde européen qui était le maître de l'univers pour toujours, qui assurait à la race blanche la première des races, la grande domination de l'esprit. Et quand nous voyons ce qu'il y a en face, ce que 30 ans de victoire des autres ont donné, cette anarchie dans le monde, cette débandade du monde blanc, cette désertion à travers l'univers, quand nous voyons dans nos propres pays la décomposition des mœurs, la chute de la patrie, la chute de la famille, la chute de l'ordre social, quand nous voyons cet appétit des biens matériels qui a succédé à la grande flamme de l'idéal qui nous animait, eh bien vraiment, entre les deux, nous avions choisi le bon côté. La petite Europe misérable d'aujourd'hui, de se marcher comme un étriqué, ça ne peut pas donner le bonheur aux hommes. La société de consommation pourrit l'humanité au lieu de la grandir. Alors nous autres, au moins, nous avons rêvé à quelque chose de grandiose. Et nous n'avons qu'un désir, c'est que cet esprit-là renaisse. Et avec mes forces, jusqu'au dernier moment de mon existence, je lutterai pour cela. Pour ce que ce qui fut notre combat et notre martyr soit un jour la réflexion.